Alors, moi, je m'appelle Welfar Kaya et je viens d'un pays vachement connu d'Amérique du Nord, le Congo-Brazzaville. Yeah. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet très sensible qui cause beaucoup de décès, hein, de relations, la mauvaise haleine. Voilà. Déjà, je veux commencer par dire, on a tendance à dire qu'à côté d'un grand homme qui réussit dans sa vie, il y a toujours une femme qui le booste, qui l'aide à réussir. Mais laissez-moi vous dire qu'à côté d'un homme qui a une mauvaise haleine, il y a une femme qui le booste, mais de loin, de loin. Moi, je ne savais pas, je viens de découvrir qu'il y a des gens dans ce monde qui ont une mauvaise haleine illimitée. On dirait qu'ils ont activé des forfaits annuels. Le problème avec ce forfait, c'est que tu ne choisis pas. Ça peut te tomber dessus depuis ton enfance et tu l'as à vie. Je ne savais pas. Mais après, je me suis dit aussi qu'avant, j'avais raison de croire que, avec toute cette mauvaise haleine qu'il y a dans le monde, le masque, ça n'allait pas durer. Oui, parce que les Occidentaux, ils n'aiment pas avoir leur réalité en face. Merci. Et je pense aussi, je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui pue de la gueule. Mais on est là, on dit rien, on fait rien. Parfois c'est ton mari. Mais on est là, on est lâche, on préfère se tirer. Pour moi, un vrai ami, c'est celui qui est capable de venir te dire, hé, hey, tu sais quoi, t'es mon pote, je t'aime bien. Prends un chewing-gum. C'est ça un ami. Et si demain, je créais une entreprise d'assurance, je ne regarde pas les diplômes, non, je ne regarde pas les diplômes. Je prends que les mecs qui puent de la gueule. Ah, on va signer plein de contrats. Hein. Vous êtes d'accord, monsieur? Vous êtes d'accord? Oui, je signe. Mais non, mais si vous n'êtes pas d'accord, on peut vous montrer d'autres. Non, c'est bon, je suis. On signe tout. Et parfois, je me dis aussi que la mauvaise haleine, ça aide un peu. Hein. Peut-être ça rend intelligent, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un qui pue de la gueule, il y a un truc qui est bizarre, il a toujours quelque chose à dire. Il croit toujours qu'on ne l'écoute pas. Il veut toujours te parler en face. Même quand tu lui tournes le dos, il est toujours là. J'étais en train de te dire ce... Des fois, tu fais semblant de te courber pour ramasser quelque chose par terre. Non, il te suit. Est-ce que tu m'écoutes? Je te disais. Ils ont toujours raison. Ils adorent donner des conseils. J'ai envie de dire, mais mec, si tu as autant de conseils que ça, conseille-toi de te brosser la bouche. Oh, Seigneur. Quand j'étais au lycée, on avait un pote qui se plaignait qu'aucune fille ne voulait l'embrasser. Il ne savait pas pourquoi. Nous, on savait. Et je sais que vous savez aussi, vous savez. On lui disait, mec, change de bouche, achète-toi une nouvelle bouche, s'il te plaît, achète-toi. Il se mettait à l'écart, tu vois. Il se sentait trahi. À un moment, il s'est mis au foot. Il est devenu très bon. Il a percé. Après, on se dit qu'on aille voir son match. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il jouait la bouche grandement ouverte. Il faisait... Et tout le monde s'écartait. Personne ne défendait contre lui. Il ne se blessait pas. On se dit, ah bon... La solution à la mauvaise haleine, c'est le foot. Mbappé, il court, hein? Parce qu'il est vraiment rapide, Mbappé. Hein, monsieur, si demain tu joues au PSG, non pas toi, tu as toute ta vie derrière toi, quelqu'un d'autre. Bon, si demain tu joues au PSG, tu peux manger de la fondue suisse tout le temps, mais tu vas percer. Alors, chers Suisses, j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez gagner un trophée majeur, ça vous fera deux blagues dans l'équipe. Pensez à mon ami. Vous aurez un bolo et puis un mauvaise haleine. Parce que les Suisses, vous avez une belle équipe, hein. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on ne vous a pas dit que quand on participe à une compétition, l'objectif, c'est de gagner le trophée. Vous jouez bien jusqu'en huitième de finale, quart de finale. Après, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous appelle. Les gars, c'est bon, on rentre, c'est bon, on rentre. Comment vous faites ça?
Gagnez les mecs, gagnez. Oh les Suisses. Seigneur. Un jour, un pote m'a dit, Welfare, comment faire pour savoir que tu as une mauvaise haleine? J'ai dit, c'est simple. Tu invites ta copine en boîte de nuit, va voir le Didier, demande une chanson dans laquelle il y a beaucoup de H. Comme Oh Happy Day, Oh Happy Day. Commence à chanter la chanson pile devant son visage comme ça. Oh Happy Day, Oh Happy Day. Et si après ça, la femme fait ça, One, two, three, oh. Commence par te poser des questions. Insiste. Oh Happy Day. Mais si après, elle se tourne pour twerker sous l'eau, Oh Happy Day, oh, Happy Day, alors que ce n'est pas possible, c'est que t'aimes, c'est que t'aimes. Je vous laisse sous ça. Merci. C'était Welfare.